boudeur, les refs, l'abonnement sur Dofus va coûter 10 fois plus cher. C'était 4€ par semaine, ça passe à 40€. Ah, je rigole, c'est faux, bien sûr. Ok, petit changement du prix de l'abonnement. En effet, sur Dofus, le prix de l'abonnement va changer. On était au courant depuis un petit moment qu'ils voulaient changer ça. On va lire ensemble, je me suis pas spoil, je connais pas les prix, je sais pas ce que ça donne réellement. Donc on va voir. Déjà, faut savoir que Dofus, je crois qu'ils n'ont jamais augmenté les prix de l'abonnement. À part à l'époque du 700 green à 1100 green. Donc on va lire ça. À quelques semaines du lancement officiel de Dofus, version Unity, nanani, nanana, ok. Depuis ses débuts en 2024, a réuni des millions de joueurs. Bon, je vous mettrai le lien, je vais pas me faire chier à tout lire. Je vais dire que ce qui m'intéresse. D'accord. Alors, à partir de décembre 2024, avec le lancement de Dofus sur Unity, le prix de l'abonnement passera de 5€ à 5,99€ par mois. Bon, ça va, 1€ en plus quand tu t'abonnes un mois, 12€ en plus à mettre dans une année. Ah, le budget il va être compliqué. Pour 3 mois, ça passe de 14,50€ à 17,50€, 27,50€ à 33€, et de 48€ à 58€. Qu'est-ce que vous en pensez en vrai dans le chat? Sachant qu'ils ont jamais augmenté le prix de l'abonnement en euros. Je crois que c'est le même prix depuis le tout début. Ça a peut-être été dit quelque part. Alors, ok, un univers, non, d'accord. Mais je crois qu'il y a des récompenses, je crois qu'il y a d'autres choses. J'ai vu vite fait là sur Twitter. Tarif préférentiel pour les abonnés en 2024 en parallèle de la révision du prix de l'abonnement. Nous tenons à récompenser la fidélité de nos joueurs. De mettre en place un système de tarification préférentiel pour tous les abonnés de 2024, leur permettant de conserver l'ancien tarif pendant un an. Ok, déjà ça c'est cool. Si vous avez été abonné cette année, d'accord. Jusqu'à 2025, si vous êtes abonné actuellement, vous allez avoir ce genre de prix et pas le nouveau prix. Et en vrai, moi je trouve ça normal. Hein. Tout a augmenté, la vie a augmenté dans tous les domaines. Ça augmente un peu ici, sachant que moi je me suis jamais abonné en euros de ma vie. Je me suis toujours abonné en no-green. La seule fois de ma vie où je me suis abonné en euros, c'était à l'époque des forfaits bloqués. T'avais un forfait à genre 20€. Et si à la fin du mois il te restait genre 5€ sur ton forfait, bah il disparaissait et t'avais de nouveau 20€ le mois prochain. Ah, tu connais. Tout le mois, ça appelait personne. Ça appelait pas ma famille, ça appelait personne avec mon téléphone. Et à la fin du mois, code audio. C'est la seule fois de ma vie où j'ai payé un abonnement. Et en vrai, bon, je le payais dans tous les cas, quoi. Alors, nouveau système optionnel de paiement récurrent. Le paiement récurrent, une nouvelle ok. Conçu pour offrir plus de souveraineté dans la gestion de votre abonnement, il s'activera uniquement via des méthodes de paiement en devise réelle et vous permettra de renouveler automatiquement chaque mois à la même date. Ah, ok, ouais, un abonnement classique, en fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas ça sur Dofus. À n'importe quoi, tu t'abonnes et ensuite, il faut résilier, tu vois. L'abonnement, bon, il n'y a pas ça. La bonne époque, je sais pas c'était quoi mon opérateur, j'avoue. Par exemple, si votre date de fermeture action est le 14, votre abonnement sera renouvelé chaque 14 du mois jusqu'à ce que je vais désactiver. Ça en vrai, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avant. Hein. Parce qu'il y a plein de personnes qui même ne jouent plus à Dofus et auraient continué d'être abonnés sans même jouer. Ça, j'avoue que je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avant. Un abonnement récurrent comme sur toutes. Comme sur les salles de sport. Les salles de sport, frérot, elles prennent des personnes à genre 150% de leur capacité réelle parce qu'ils savent très bien qu'il y a 50% des gens qui vont pas venir, tu vois. Businessment parlant, je sais pas pourquoi ça a pas été fait avant, j'avoue. D'accord. Ce nouveau service est sans engagement. On dirait vraiment un opérateur, ça me termine. Facilement désactivable à tout moment via datatatita. Ok, d'accord. Avantage du paiement récurrent. Avec le paiement récurrent, chaque renouvellement automatique d'abonnement vous apportera des fidélitons, ok. Des jetons que vous pourrez dépenser dans une boutique dédiée exclusive à Dofus. Hors Dofus Rétro, ces jetons remplacement des récompenses cosmétiques traditionnelles des packs d'abonnement. Ok, d'accord, sympathique. Une large sélection de cosmétiques comprenant à la fois des articles, des packs actuels et antérieurs à chaque mise à jour des packs d'abonnement. De nouveaux objets seront ajoutés et d'autres plus anciens seront retirés. Notez que les objets des packs événementiels ne seront pas disponibles dans cette boutique. Logique. Ainsi en activant. Ok, en vrai c'est cool. En vrai de vrai c'est cool. C'est rentable pour vous, c'est rentable pour eux. Ok, d'accord. À ce jour, 65% de nos joueurs utilisent des méthodes de paiement compatibles avec le système de paiement récurrent. Nous travaillons à activer, élargir les options. Thème est entièrement optionnel. Vous pourrez opter renouvellement automatique ou continuer à gérer votre abonnement manuellement dans tous les cas. Ok. En vrai, pourquoi pas, hein. Par contre, le coin de green ne bouge pas. Acheter des O-Green, ça va pump. Les O-Green périment. Si tu les achètes en Kama, les O-Green périment. Donc, je vous déconseille d'acheter des O-Green actuellement. En vrai, je sais pas trop.
trop. Non, je pense qu'il va, le prix en The Green va pas bouger, mais ouais, les The Green vont peut-être légèrement up, et encore en vrai. Dans tous les cas, les... est-ce que ça va up en vrai? Moi, je pense pas. Hein. Moi, en vrai, je pense pas. Ou légèrement, tu vois. Ça va up comme à chaque fois, comme à chaque temporis, ça up de genre, je sais pas, 50%. Pour Dofus Unity, ça va up de 50%, et ensuite, ça va se réaligner avec le prix classique. Abonnement distinct dédié à Dofus Retro? Attends, quoi? Son prix d'abonnement doit rester... Ah putain, ok, j'ai cru que l'abonnement Dofus Retro est un abonnement à part et qu'il fallait être abonné et pour Dofus Retro et pour Dofus Classique. Ok. Ok. Bon, classique jusqu'à là. Les The Green, je trouve que ça up depuis 2 mois. Ouais, bah après, il y en a beaucoup qui vont aller sur les nouveaux serveurs aussi, donc ils vendent pas mal de ce qu'ils ont actuellement. Et ils mettent en The Green pour s'abonner ou pour je ne sais quoi, tu vois. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et ensuite, vers l'avenir, le passage, tu représentes... nous engageons, ce que j'ai... nouveaux joueurs comme les vétérans, putain... nouveaux contenus, propices... Ok. Ok, d'accord. Oh, en vrai, de vrai, c'est quoi? C'est une augmentation de... Ouais, un petit 20% partout, sachant que je pense que ça a vraiment pas augmenté depuis l'époque. Ah voilà, ajuster nos prix d'abonnement pour la première fois en 20 ans. Ça a pas bougé depuis 20 ans, un plus 20% vu la situation actuelle, vu tout ce qu'il y a actuellement. Je pense que le paquet de jambon qu'on a acheté il y a 20 ans, il a pas fait un petit plus 20%, tu vois. Je pense qu'il a fait un bon fois 300% grand minimum, tu vois. L'augmentation n'aurait pas dérangé si Unity était jouable, mais là c'est culotté. Bah après Unity est jouable actuellement, pas dans les meilleures conditions par contre. C'est vrai qu'il y a quand même des petits problèmes, du style les interfaces. Mais je pense qu'ils sont au courant de toutes les plus grosses problématiques et ils sont en train de taffer dessus. Donc moi ça me dérange pas de une parce que je suis pas concerné. Et de deux parce qu'en vrai, bon... C'est plutôt logique, je trouve. Lien de l'article, ouais, je t'envoie ça tout de suite. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur YouTube, ce que vous en pensez. Moi, en vrai, je trouve ça ok. Je trouve ça ok et je trouve ça pas abusé, sachant qu'il y a des petites récompenses en plus. Il y a des petites récompenses en plus, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, les gens qui aiment bien les skins, ils pourront choisir des skins, etc. Pour Ankama, ça peut être rentable. Donc si c'est rentable, peut-être qu'ils font plus d'efforts sur Dofus, qu'il y aura plus d'argent alloué sur Dofus, etc. Moi, j'aime bien. J'aime bien et ça me changerait ma vie, donc Osef. Pour la petite vidéo YouTube, les refs, je reste là-dessus. Comme d'habitude, n'hésite pas à venir sur Twitch. Le lien est dans la description, le dev blog est dans les commentaires. C'était Last Barouder. A plus, tout le monde. Ouais, mon gars, je vois, t'es là, tu kiffes la vidéo et tout. Mais moi, je kiffe All Energy. Je suis sûr que tu peux kiffer. Je pense, tu sais, c'est quoi? Petite boisson énergisante sans sucre avec des bonnes vitamines. Ils ont une gamme énergisante, iced tea, boisson hydratation pour le sport. Voilà, si tu bois un peu de Monster, Red Bull, tous ces trucs, ah ouf, je te conseille All Energy 10 fois mieux. Et vraiment, 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 c'est pas du troll. Je suis pas en train de vous vendre des trucs bizarres. C'est un banger. Tout est écrit dedans. Y a pas de mensonge, y a pas de truc. Y a deux nouveaux goûts qui viennent de sortir. Oli hydratation citron, pas de blabla, simple, rapide, efficace. Et en iced tea, t'as le goût citron, miel et thé noir. Dès là, vous avez deux codes, les refs. Code Baroudi pour les moins 10% et pour les moins 5 euros, code Baroudi 5. Et il marche qu'une seule fois. Et si jamais même vous êtes des gigabons, que vous êtes dans la commu, que vous kiffez le tout dernier des baroudeurs, aka moi-même, vous avez une petite collab avec Oli, les refs. Oui, même le chat, il est sous Oli Energy. Là, tu m'as bien ralas. Les shakers Last Barouder sont sortis. Un petit shaker FC Baroudi. Tous ceux qui sont sur le stream, en gros, ça c'est des modes de la communauté, on va dire. Tu fais 15 euros d'achat, tu rentres le code shaker Baroudi et tu l'as gratuitement, les refs. Il coûte 10 balles de base, tu peux l'avoir gratos. Pareil, si vous voulez des refs, goût énergisant, moi je vous conseille. Celui-là, pastèque, je vous l'avais pas montré aussi, j'ai presque fini le pot. Et moi, il sonne un peu cru quand même. Pêche sauvage, fruit des bois, incroyable. Mon meilleur goût, le goût grenade, ça passe bien. En termes de prix, les refs, ça vous revient 34 balles avec un code. Un pot comme ça, ça vous dure entre 3 à 4 mois. Et un shaker d'Admilit, ça vous revient à 60 centimes, les refs. Va dans le marché classique, va à Lidl, à Carrefour, à Cora, où tu veux. Pour un demi-litre, je suis pas sûr que t'en as pour 60 centimes. Donc vraiment, les refs, point d'exclamation, Oli, c'est le banger. Tous les codes sont dans les commentaires, faites-vous kiffer.